Akiyama, oui, le gars Asano. Et dis donc, vous n'allez pas nous appeler un par un, si? T'as raison, mon con. Et on peut savoir ce qu'on fait là, par hasard? Eh ben, c'est simple, on va assister à la naissance d'une future star interplanétaire nommée Nomura Tomoko. Comme c'est un peu un test socio-psychologique, je vais vous demander de taper dans vos mains et pousser des petits cris pour elle, et aussi pour la petite Aizawa. Bonjour les hommes, et tant pis pour moi si je me trompe. Alors, professeur, franchement, vous croyez qu'elle a une chance de réussite? C'est l'élection de Miss Beauté et pas l'élection de Miss Nemeux. Ça vous ferait mal au cul de m'écouter? Et arrêtez de vous coiffer de chips quand je vous parle! Quoi, y a un problème? Ben ouais, y a la numéro 18 qui a dû se perdre en sortant des vestiaires, elle est pas là. Putain, retrouve-la, amène-toi vite! Ouais! Nous allons vous présenter des candidates! Comment? Eh bien, il se passe déjà quelque chose, je vous avais prévenu, c'est un concours de beauté, pas d'intelligence, c'est un programme Bougie TV! Je retrouvais plus le chemin. Oh, bon sang, y a un monde de dingue. Miyabi, je suis sûre que c'est toi qui vas gagner ce concours. Tu es tellement jolie. T'as parlé ou t'as pété, là? Je t'ai dit de ne plus t'adresser à moi, compris? C'est vrai, excuse-moi. La numéro 18 est arrivée. Eh, hey, c'est pas toi la numéro 18? Oh. T'as bien le numéro 18, pas vrai? Alors elle est là ou quoi? Oh. Oh. Oui, le 18, c'est moi, je suis bien là. Parfait, mets-toi dans la file. Alors, quand je donnerai le signal, vous montrez une par une jusqu'à la scène. Mais d'abord, oui. Cette fois, je crois que ça y est, cette attente insoutenable prend fin et nous allons commencer tout de suite avec les candidates de Miss Hiroshima. Bonjour à tous, je suis le numéro 12 et mon nom est Washimotoko, enchantée. Alors, mademoiselle numéro 12, parlez-nous un peu de vous. Eh bien, pour commencer, je dirais que mes mensurations sont 84, 55, 85 et je mesure 1m58 pour 43 kilos. Ce que j'aime dans la vie, c'est le karaoké, le piano et je collectionne les cailloux. Bah dis donc, le niveau est drôlement relevé, tu trouves pas? Et tu sais de quelle école elle vient, celle-là? Y a pas de lézard, les kids, faut pas paniquer. Nomura a un corps de déesse, elle va tous les exploser en vol. La tête de nœud, il faut aussi chanter, danser, se présenter en public sans bafouiller. Ça fait un peu beaucoup pour notre Tomokon. Elle va se planter. Si on jugeait que sur le physique, ma mère les écrabouillerait. Oh non, remarque, c'était juste pour donner un exemple, mec. Hey, attention, voilà Aizawa qui se présente. Je porte le numéro 13, je m'appelle Aizawa Miyabi et je suis contente d'être ici. Eh bien, regardez-moi donc cette jeune beauté fatale. Mon Dieu, elle est jolie comme un cœur. Et en plus, cet éclairage l'avantage incroyablement, on dirait une star d'Hollywood. Je prends des cours de chant, de théâtre, je fais un peu de piano et je compose aussi. Mais je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire, professionnellement parlant. Mais surtout, j'ai envie de me lancer dans l'humanitaire, aider les enfants et les démunis à travers le monde. Sainte Aizawa, priez pour nous. La bombe de la main, elle est vraiment bonne de chez bonne. Avec ce genre de belette, t'as intérêt à planquer tes miches. C'est pas possible d'avoir autre chose comme fond sonore que des chips. Pas de problème, vieux. Va donc m'acheter une canette, ces chips sont trop salés. Et prends-toi une sucette. Oh putain de merde, il fait trop chier ce con. Pourquoi c'est toujours à moi de faire le larbin pour cette espèce de sac à merde minable? S'il vous plaît, jeune homme, une petite minute. Oh pardon, j'ai oublié la monnaie. Vous vous êtes trompé dans vos comptes, il manque 20 yens. Zarma! À votre service, Buana. C'est pas trop tôt, tu te secoues ou quoi?
Je crois pas si bien dire tête de nœud pour secouer, j'ai bien secoué, ouais. C'est au tour de Tomoko de passer maintenant. Au fait, moi, aïe. Non. J'en étais sûr, espèce de gros malin. Ah, regarde plutôt sa prestation. J'irai m'en chercher une autre juste après. Je suppose, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait mon nom. T'es lourde? Je pense que les amateurs de mini-shorts, et ils sont nombreux dans la salle, doivent apprécier votre tenue. Mais le règlement stipule que vous soyez en maillot. Ah bon? Elle est grave, cette grossesse. Elle nous colle vraiment la honte. Je croyais que c'était pour après, mais c'est maintenant j'ai mon maillot dessous, je me change de suite. Attendez, faut pas faire ça ici, voyons. Enfin, encore que si vous assistez, bon, bah allez, vous gênez pas, hein. Mais nous, on va pas le gêner. Oh, c'est que c'est pas facile à enlever, ces petites choses-là. Plaisir d'offrir, choix de recevoir, c'est notre devise. Attention, les vieux, les yeux, c'est donc la candidate numéro 18. Une jeune fille qui s'est tirée vers le haut, cher spectateur, tout en regardant le baroque. Une sortie scolaire, mais personne ne m'a mis au courant de ça. Faire, il a osé changer d'emploi du temps sans m'informer. En fait, il a trouvé formateur pour ses élèves. Il est impertinent. Et où les a-t-il emmenés? Au musée des sciences et techniques, au Parlement? À un concours de beauté. Et c'est je vais tout de suite prévenir madame la directrice. Voilà, on n'emmène pas comme ça les élèves sans prévenir son supérieur. J'ai bien entendu, vous avez dit un concours de beauté. Mais par la barbichette de Fou Manchot, pour qui se prend-il? Il annule un cours pour emmener les élèves à un concours stupide de... Un concours de beauté, un truc de dépravé avec nos étudiantes. Il croit qu'on donne quoi comme éducation ici? Je veux le foutre dehors. Eh bien, ce fut une très belle chose. Par Elvis, elle est chaude comme la braise, celle-là. C'est avec les tours de Tomacon, et franchement, je parierais pas un quart de yen sur elle. D'un côté, il y a Miyabi qui est juste méga bien. Et de l'autre, il y a Tomoko qui est juste méga bête. Franchement, professeur, vous êtes à côté de la plaque avec cette fille. Elle est trop stupide. Regarde bien ce qui va se passer, petit. Fais confiance en mon flair, il va y avoir un miracle. Je suis le numéro 18, Nomura Tomoko, c'est mon nom et je vais chanter. Et 1, 2, A, E, I, O, U, Y. Le barracuda fait caca, A, l'aime tout heureux a fait des œufs, E, le petit Wistiti a fait pipi, I, et le gros rhino a fait popo. Oh, il a de la merde dans les yeux pour pas voir qu'elle est naze. Mais toi, sors cette espèce de tartouille. C'est Bécassine, mais c'est pas ma cousine. Bouffonne. Elle a un petit poids dans le cigare, celle-là. Et c'est là-dessus que nous terminons cette partie du concours. Mesdemoiselles, 30 minutes de pause, vous pouvez en profiter pour répéter vos textes pour la suite. Alors, ça roule, ma poule? Ouais, si on veut. Toi, tu t'en tires vraiment super bien, t'es douée. Le niveau est super faiblard cette année. T'as remarqué? T'as vu ces filles? Alors que toi, t'as vraiment toutes les chances de gagner. Je m'en fous pas mal. C'est même pas moi qui me suis inscrite. Tu sais, la plupart du temps, c'est des filles comme toi qui gagnent. Et au fait, t'as pris une grosse garantie? Une garantie? Bah, ton agence a bétonné ta participation, non? Ah non, je vais te dire, tu te gourres. Je travaille pas pour une agence, moi. Si t'as pas une agence derrière toi, t'as aucune chance de gagner, alors? T'es sourde ou lourde? Je t'ai dit que je m'en fichais de gagner. Bah alors, explique-moi pourquoi t'es là. On m'a inscrite sans mon accord. Excusez-moi. Tu n'es pas obligée de me répondre, mais je voulais... Je veux que tu saches que c'est le professeur, monsieur Onizuka, qui m'a demandé de participer à ce concours. J'ai accepté sans vraiment réfléchir, mais en fait, je ne suis pas venue pour gagner, parce qu'en fait, je souhaite que tu gagnes ce concours. Ouais, alors? Ah, alors je suis... Eh bien, je suis à fond derrière toi de tout mon cœur. J'ai pas besoin de toi et de ton putain de soutien pour gagner ce concours. Je le sais bien, je sais que tu n'as besoin de personne pour gagner. T'approche pas de moi, Sansu, misérable petite merde. Oh là là, c'est pas le tout, mais j'ai un texte à prendre, moi, j'y vais. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis vraiment désolée, je ne sais... Tu étais belle comme la rosée du matin quand elle resplendit au soleil. Tu étais rayonnante, épanouie et légère. Je n'arrive pas à retenir mon texte, c'est comme un blocage. Je t'ai toujours tellement admirée, tu sais. Hé, hey, salut. Oh, tiens, c'est vous, professeur. Alors, dis-moi, comment ça se passe? Il y a beaucoup trop de mots compliqués à retenir dans ce texte, je n'y arrive pas.
Et puis, ma chanson était lamentable. C'est ce que tu ressentais, toi? Moi, j'ai vu ta fraîcheur, la pureté de ton âme. Je sais bien que je n'ai aucune chance. J'apprécie ce que vous avez fait pour moi, pour que le vilain petit canard se transforme, mais... De quoi tu parles, voyons? Tu peux aisément rivaliser. Je vous en prie, laissez-moi, je veux partir. Tu ne vas quand même pas rentrer dans cette tenue. Je n'ai pas l'intention de retourner au vestiaire. Miyabi, elle refuse que je lui adresse tout simplement la parole. Et si tu profitais du fait d'être sur scène pour lui dire ce que tu penses? Tu dois écouter les conseils de ton impresario, c'est important. Comment? N'abandonne pas si vite, accroche-toi. Mais je suis bonne à rien. Ça, c'est ce que tu crois, mais... Reste fidèle à ce que tu es, sois toi-même et tout ira bien. Encore merci pour vos encouragements. Ah, encore une performance qui prouve le niveau de ce concours. Prenez ça, vous allez en avoir besoin. Merci bien. Candidate suivante, s'il vous plaît. J'arrive. Une sublime jeune fille qui va interpréter pour vous la scène numéro 3. Je suis la numéro 13, mon nom est Aizawa Miyabi et merci de votre attention. Ah, elle a une barre d'enfer. Elle a vraiment un look de star. Allô? La clé de l'appartement? Tu veux dire ta clé à toi? Tu peux la garder si tu veux. Oui, ça elle joue vraiment trop bien, elle. C'est elle qui va gagner ce concours, c'est sûr. Hé, écoute-moi, Aïe, j'ai un truc à te confier. D'accord. Ce que je vais faire à présent, je ne sais pas encore. Vu le temps, peut-être bien le ménage. C'est bon, je te dis, ça va. C'est de l'histoire ancienne à présent. C'était notre histoire et elle devait sans doute finir. Oui, c'est comme ça, je sais. Mais ne t'en fais pas pour moi. On se rappellera peut-être un jour. Alors, au revoir, mon... Merci à tous, je vous aime. Applaudissez bien fort cette future star qui fera longtemps parler d'elle. Ce scénario était d'une crétinerie sans nom. Le candidat suivant est une candidate. Quelle surprise, pas vrai? Ok, alors vous pouvez vous approcher et attendre le signal. Tenez, j'ai trouvé celui-là et j'espère que ça vous conviendra. Ouais, ouais, c'est pas mal, ok. Putain, c'est la dernière fois que je vous rends service, hein, vu les remerciements. Mais avant, encore une dernière petite chose. File-moi ton portable. De quoi? Mon portable à moi? Accueillons comme il se doit à présent la dernière de nos jeunes candidates. Celle qui porte le numéro 18, Tomoko Nomura. Approchez donc. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette tâche? Avec toutes ces pitreries, elle va réussir à nous faire passer pour des potiches idiotes. Voilà encore la reine des truffes. On peut déjà considérer que Miyabi a gagné. Allez, reprenez-vous, mon Dieu, vous êtes sur scène, là. Allez, vous allez nous interpréter la séquence numéro 2, vite. J'en étais sûre, je suis trop nulle. Je ne sais pas jouer. Nomura! Asseyez-vous, bordel! Vous nous collez la honte, ça se fait pas! Non, c'est mon portail! À présent, Nomura, montre-nous à tous ce que tu vaux véritablement. Professeur, mon portable! Ah, arrêtez les violons, j'ai le popole qui chiale! Eh, le prof, c'est le fils à Zabata ou quoi? J'aurais tant voulu te ressembler, pour te plaire, pour qu'enfin, tu me regardes comme une personne, quelqu'un qui t'aime. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas dans le texte, ça. La seule chose que je désirais, c'était que tu me parles,
Et pourtant quoi que je fasse, je ne pouvais pas arriver à ton niveau, arriver à faire en sorte que tu me vois. J'aurais dû le comprendre dès le début et ne pas m'enferrer. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher pour être avec toi. Je me demande bien comment on a pu en arriver à tout ça. Et pourtant, on s'amusait bien toutes les deux. On a connu des bons moments ensemble, non? Moi, oui. Pour moi, il suffisait d'entendre le son de ta voix pour oublier et pour que mes soucis disparaissent comme ils étaient venus. Tu étais mignonne, intelligente et attentionnée. Je pouvais toujours compter sur toi. Mais j'ai eu beau courir derrière toi aussi vite que je pouvais, impossible de te rattraper. Mais à présent, c'est bien fini. Désormais, je te regarderai de loin, sans t'ennuyer. Maintenant, ne t'inquiète pas pour moi, c'est bon. Je tâcherai de me débrouiller toute seule. Chose à te demander. Je t'en prie, promets-moi. Fais-moi cette promesse de toujours garder ton sourire. Parce que tu es à tout jamais ma meilleure amie. Oui, tu es ma meilleure amie. Félicitations pour ce prix spécial du jury. Sourire, s'il vous plaît. Pardon, pourriez-vous répondre à une question? Je suis très heureuse. Oui, merci, je viens. Vous faites oui, je viens. C'est quand même moi la gagnante. Ouais, mais c'est de la triche. Tout est extraordinaire, vraiment, hein? À un moment donné, j'ai cru que j'allais pleurer. Et dis donc, il y a des producteurs qui t'ont contacté? Si ça se trouve, tu vas devenir une grande star. Comment il a fait pour savoir qu'elle avait un talent pareil? Toujours surprenant, l'Onizuka. Et où est-elle, Miyabi? Je crois qu'elle est partie. Elle a dû la voir mauvaise d'être seulement deuxième. Approchez, approchez! Venez voir des merveilles pour pas cher. Photos, t-shirts, bouteilles de shampoing, on a tout à l'effigie de Tomoko. Mais bon sang, tout ça vient, tout ce merdier, tout ça sort. Aide-moi à faire des ventes au lieu de ronchonner comme ça. T'as envie d'avoir un nouveau portable, oui ou merde? C'est vous qui l'avez pété en le lançant à Tomoko! Enfin, je vous retrouve! Manquez plus que lui! Ça alors? Mademoiselle Fuyutsuki? Vous ici, je vous croyais Zozo! Non, ne me dites rien. Vous vouliez assister à la naissance d'une future star nommée Tomoko. Non, pas exactement. Ah bah tiens, vous êtes là pour la même chose? Certainement pas du tout, je ne cautionnerai pas un tel détournement de principe. Calmez-vous, monsieur Uchiyamada. Monsieur Onizuka a certainement une autre méthode dans les... Sa méthode, c'est l'anarchie! Et puis qu'est-ce que c'est que ce foutoir devant vous? Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Tenez, monsieur le sous-directeur, vous vous faites du mal. Buvez ça et soufflez un peu. Merci, mais ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme... C'est notre élève Murai qui a cru malin de la secouer. Mais j'ai fait ça il y a plus de 2 heures. Donc tu avoues. Voilà, la trappe est pleine. Vous êtes viré. Fais-moi cette promesse de toujours garder ton sourire. Parce que tu es à tout jamais ma meilleure amie. Oui, tu es ma meilleure amie. Alors, je te dis adieu. Les affaires ont plutôt bien marché. Sans le vieux jeton, on aurait pu faire mieux. C'est le conflit des générations. Professeur, je voulais à nouveau vous remercier pour cette fabuleuse journée. T'inquiète pas, c'est rien, c'est le rôle d'un enseignant. Mais tout de même, vous avez cru en moi et vous vous êtes battu pour moi contre tous.
Kikuchi m'a dit que vous avez décidé de m'aider quand vous avez vu que je n'avais aucun camarade ou ami. Et c'est pour cette raison que je tiens absolument à vous prouver ma gratitude. Sasate, j'ai rien fait de particulier. Tout ce que tu as sorti, tu l'avais en toi. En plus, ce qui ne gâte rien, tu m'as rapporté du poignant. Professeur. Kikuchi m'a affirmé que c'était la seule chose qui vous ferait plaisir si je voulais vous remercier. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais... Bébête, si tu crois vraiment qu'il suffit de faire ça pour me faire plaisir... Tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude pour me faire plaisir. Il faut au moins faire un truc comme ça. Mais c'est franchement dégoûtant ce que vous faites là. Mais qu'est-ce qui branle encore? Alors ma petite Nomura, dès qu'il est un peu gêné, il faut qu'il fasse le guignol. C'est ça, hein? Vous vous méprenez, professeur. Je crois qu'avec un prof comme lui, il y a des chances qu'on retrouve un intérêt à participer au projet pédagogique de cette fichue école. Hein, les gars? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Passer mon permis. Courage, surtout il faut vaincre votre peur. Allez. Un, deux. Profites-en bien, mon cher Onizuka. Mon monde sera bientôt un monde parfait.